Regarde la caméra. Ton nom? Jean. Pourquoi es-tu ici, Jean? J'ai agressé quelqu'un. On m'a déjà informé de cette agression. Je te demande qui, précisément? Mon compagnon de cellule. Et pourquoi as-tu fait une telle chose? Regarde la caméra. Mais je l'aime pas. Je pense que tu peux être un peu plus précis. Mais je l'aime pas, c'est tout. Réponds à la question. Tu sais quoi? Va te faire enculer. On n'a pas le temps pour ça. À vrai dire, je suis le seul à ne pas avoir le temps pour ça. Toi, tu en as autant que tu veux. Frère, tu l'as vu? Tu nous as vus? Je t'assure que tu ne verras pas la lumière du jour tant que tu n'auras pas répondu à la question. Et tu ne m'adresseras pas la parole de cette manière. Je m'attends que tu me vouvoies. Je veux l'entendre. C'est un mec de couleur. Merci. Maintenant, tu sais très bien ce qu'on fait ici. Cet établissement est fondé sur le respect. Et nous ne tolérerons pas la violence. Nous voulons que nos détenus se rachètent. Donc, voici ce qu'on va faire. Je vais te lire un poème. Je continuerai à le faire jusqu'à ce que tu le comprennes et que tu changes ton comportement. Comme je l'ai dit, tu resteras dans cette pièce autant que nécessaire jusqu'à ce que tu saignes les mots de ce poème. Tu ne partiras pas tant que les mots de ce poème ne seront pas gravés dans ton cerveau de raciste. Cette méthode a déjà fonctionné de nombreuses fois sur d'autres prisonniers. Donc, je te prie de coopérer. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade... Mais c'est quoi ce bordel, enfin? Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu es au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid... Ah non, tu te fous de ma gueule, là! Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nos deux, qui est l'homme de couleur? Maintenant, à toi de le lire. Ah non, mais va te faire foutre, là! Je vais te le rappeler encore une fois. Tu as tout le temps qu'il te faut. Donc, lorsque tu décideras de le lire, dis-le-moi. Sache qu'on ne te donnera pas à manger et qu'on ne te laissera pas aller aux toilettes. Donc, fais ton choix rapidement. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi,
homme blanc. Quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ?